Salut à tous, c'est DSSWX9 pour une vidéo de Far Cry 3. Alors la suite qu'on avait fait tous ensemble tranquillement, normalement on était un peu plus loin, mais j'ai eu un petit problème. Mais ce n'est pas tout à fait grave. Je crois que je vais m'acheter une petite MP5. Non, j'ai pas engrossé. Non plus. On va regarder un peu tout cela tranquillement. Franchement, je suis content de vous revoir pour la série de Far Cry 3. Ça me fait énormément plaisir. J'espère que vous aussi. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez ça bien, cette série. Franchement, moi, je l'aime bien. Après, c'est à vous de voir. Attendez 3 secondes. Alors, chargeur amélioré. Et nocturne. Vision nocturne. Non, je vais prendre ça plutôt. Non, je ne peux pas. Non, c'est celui-là, leur peinture. Ouais. Bon, allez, bref, on va continuer notre aventure suivie sur Far Cry 3. Ah non, en fait, c'est la même chose. Ah, je peux pas vendre des trucs. Oh, ça peut être intéressant un peu plus tard. Bon. Normalement. Et attends, on dé, je sais pas comment il faut sortir d'ici. Ah, peut-être un peu là, non? En fait, je sais pas par où il faut sortir, sûrement par là. Ah voilà. Et vous vous rappelez que dans le dernier épisode, ça fait un certain moment, on était venu dans un petit village où il y a des jolies femmes, Merci comme mille vous fois. voyez. Hey, j'ai été chanceux ce matin. Et Et puis, donc, je sais, j'ai c'est pu à tout peu près savoir. tout. Je suis très heureux. Franchement, c'était pas mal. Là, on va rejoindre l'autre pingouin qui peut se faire toutes les femmes qu'il veut tant qu'il veut. Alors là, Je on le en sais. était là, J'ai les plantes et les animaux. normalement. Bien, tu vas imposer ta volonté à la nature. Je t'apprendrai. D'accord. Alors, sers-toi de tes plantes pour fabriquer deux seringues. D'accord, alors je vais prendre deux trucs pour faire deux Bien, seringues. Jason. Tu pourrais même trouver des plantes plus puissantes dans la jungle, avec un peu de chance. Maintenant, utilise les peaux de tes gibiers pour transporter plus d'équipements. Tu peux confectionner de Bon. quoi transporter plus d'armes, d'argent, de butin ou de seringues. Ah, Voilà. une dernière Alors chose. j'ai écouté un peu le Le vieux. tatouage sur ton bras, il signifie que tu es spécial, que tu as l'âme d'un guerrier. Tu progresses le long du chemin. Je vais te montrer comment les utiliser. Pour chaque tatouage, une compétence est maîtrisée. Tu peux décider de D'accord. maîtriser trois disciplines différentes. Là, je vais t'apprendre l'élimination. D'accord. Alors, comme je vous ai dit, que comment dire, je laissais parler un peu les gars, comme ça vous entendez à peu près ce qu'ils me disent, parce que écouter en même temps que parler, je peux pas. Là, Alors, je vais voir t'apprendre le touche. l'élimination. Alors là, je le laisse parler. Attendez, ah non, là il parle plus. Parce que ça fait chier quand il parle. Ok, bon, il m'a appris. Il m'a appris, alors là je vais prendre celui-là. C'est Voilà. fait. T'amélioreras et le tatouage grandira avec chaque Ah oui, non, compétence mais acquise. j'avais déjà fait ça, Choisis un donc tatouage. je vais pas le laisser parler. Et puis c'est à peu près tout. Tu es très doué, Jason. Et j'espère que, comment Tatouage. dire, la vidéo dernière était bien. Voilà. Hey, Philippe, on est sur la route de l'avant-poste près d'Amanaki. On a une américaine. Viens jouer avec nous. Qu'est-ce que. Ok, Ça? je viens jouer. Oh merde! Il faut qu'on la libère. Suis-moi. Viens. Ok, je viens m'amuser avec toi, avec grand plaisir. Alors je vais monter avec ce fou, j'espère qu'il sait conduire au moins. Tu sais conduire? J'ai peur de rester avec lui. Alors Jeep, oui Jeep. Bon, je m'en fous. Normalement, je sais pas si c'est important de lire, mais bon, je suis pas trop les Rayak. Ah, en fait, je fais partie de leur clan maintenant. Le floor, non, c'est ce que j'ai pris tout à l'heure parce qu'en fait j'arrivais Pas cet pas à faire un avant-poste, vous truc, le voilà. détient, Lisa. Les avant-postes sont des places fortes partout sur Rook Island. Grâce à eux, les pirates de Vaas contrôlent tous les environs.
Ah bon, il contrôle tout. Oui, et ça en vaut le coup. En sauvant ton ami, tu fais d'une pierre deux coups. On est en guerre contre Vas. Pour récupérer l'île, il faut reprendre les avant-postes aux pirates. Ben t'inquiète pas, je vais t'aider, je vais tout te faire éclater. Devient plus sûr. On peut voyager plus vite et des occasions de développer des compétences de guerrier apparaissent. Non mais t'inquiète pas, je vais tout éclater. De vrais Rakyat qui vivent au cœur de l'île. Ils sont foi en toi grâce à ton tatouage. Écoutez, j'apprécie votre aide. Je veux seulement sauver Lisa et mes amis. Mon frère. C'est la seule façon de les revoir en vie. Tu t'es enfui du coup. T'inquiète pas. Tu as survécu. Tu dois te battre. Les hommes sont égaux, Jason. La différence, c'est que certains ne font rien. C'est tout. D'accord. Ouais, mais t'inquiète pas, moi d'habitude je fais tout éclater. J'étais un étranger ici. Tu n'es pas seul, mon ami. On va attendre que tu lances l'assaut. D'accord. Salut, ah non. Jason. Dennis t'a donné le tatouage. Maintenant, tu dois te battre. Tu peux décider d'attaquer le front, de les éliminer à distance ou de t'infiltrer. D'accord. C'est ton choix. Eh ben moi je suis prêt pour toutes les attaques normalement. Je suis quelqu'un qui est très attaque. Alors il suffit que je demande le choix d'armes. Ah bon, j'ai d'autres armes. Ah merde. Ah oui, j'ai fait. Une très grande chose qui m'a fait chier. Alors, cartouchière, non, c'est pas ça qui m'intéresse pour l'instant. Alors, il faut que je fasse quoi? Il faut que j'aille voir mes compétences, non? Je sais pas, alors. C'est quoi ça? Ah, c'est pour faire des photos. Moi, j'ai pas besoin de faire de photos. Alors, compétences, on a débloqué. Alors, il faut que j'aille débloquer une compétence vite fait. Et l'action va commencer dans pas très longtemps. J'espère que vous allez bien aimer me faire galérer. Alors, normalement. Voilà. Là. Bon, on verra tout à l'heure. Alors je sais pas tout à fait ce qu'il faut que j'aille faire. Faut que j'attende qu'ils fassent leur truc ou... En fait c'est que je sais pas totalement où il faut que j'aille. Alors, option cours. Alors, il faut que j'aille exactement là normalement. Là. Je sais pas en fait. Je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Mais je vais regarder vite fait. Un truc ou non, attendez. Mais ça doit être ça. Non. Il monte pas avec moi. Pourtant. Ben je sais pas. Je vais peut-être partir. Ah oui. Ah oui oui, j'avais pas vu qu'il y avait un trait jaune et qui est apparu. Bizarre. Ben on va y aller. On va y aller tranquillement pour pas qu'on se fasse buter du premier coup. Là, on va le buter lui. Voilà. On a buté lui. Alors il y a deux gars comme là-bas. Alors on fait une 3K là-bas. Aïe 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 aïe. Ils font beaucoup plus mal qu'en coop. J'avais pas vu comme ça, ça comme ça. Alors je prends mon vite fait ça, dépeceler l'animal parce que ça peut être très intéressant. Un truc pour l'instant je sais pas trop à quoi tout ça sert. Mais bon. Ah non, ça c'est nos ennemis. Les ennemis est mort prochaine fois. Ah merde, j'ai tué un allié, je savais pas qu'il fallait faire ça. Parce qu'en fait j'ai du mal avec les Rakyat et les trucs gros, les bonhommes rouges. Bon, maintenant je sais que les ennemis sont des Pères Noël. Alors donc on va avoir moins de mal. Enfin moi je vais avoir moins de mal. Et puis voilà. Là normalement on sait où il est lui. Alors on va lui jeter une grenade à la gueule.
Allez, tiens, prends-toi ça dans le cul. Toi, tu te fermes ta gueule. Alors, normalement, on peut ramasser son arme. Aïe, 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 aïe. Non, non. Non, non, cours pour ta vie. Ouf, heureusement que mon personnage il court assez vite. Heureusement que je suis pas un gros bolos qui me fait buter comme une merde comme là. Alors, heureusement que j'ai pas mal de trucs. Oh non, j'ai pas de soin. Ah si, j'ai une seringue encore pour me soigner. Mais le problème c'est qu'elles sont pas éliminées elles sont pas illimitées comme en coop. Et je crois. Alors, normalement je peux prendre son arme, voilà. Alors, c'est beaucoup plus intéressant que une arme normale. Alors, ah ben voilà, on est à nouveau ben, tranquillement. Alors, on va dépecer tous les corps, normalement. Non, on peut plus. Alors, on va voir les statistiques, ok. Ben, on va aller voir vite fait là-bas. Normalement, il nous demande d'aller là. Et puis, voilà. En fait, j'adore dire, et puis voilà, c'est mon mot favori. Ouais, il est pas. Ah merde, elle est pas là. Où est la prisonnière américaine? On l'a perdue. Je sais pas. Mais elle a pris la fuite dans l'ouest de cette putain d'île. Je t'en dirai plus quand on y sera. Elle s'est enfuie. Oh merde. Elle s'est enfuie donc, on va voir. Tu fais honneur à ton tatouage. Tu es digne de suivre la voie du guerrier. D'accord, ben merci. Enfin, moi, je m'appelle pas Jason, mais bon. On a trouvé un de tes amis à la maison coloniale. Chez le docteur Ernard, à l'ouest. Mais ne t'inquiète pas, l'endroit est sûr. Le docteur attend ton arrivée. À l'ouest? Vous savez de qui il s'agit? D'accord. Non, mais nous allons continuer d'essayer de trouver les autres. Hein? Je t'avertirai par radio si j'ai des infos. Oui, oui, mais là, c'est pas ce qui m'intéresse, là, ce que tu dis. La tribu est très impressionnée. Oui. D'accord. Ben, on verra un peu plus tard. Parce que moi c'était pas du tout ça ce que je voulais faire. Alors maintenant il faut que j'aille. Non, ok, bon, bah normalement il faut que je les suive. Mission réussie, sécurité du poste. Bon, on va faire une petite trentaine de minutes ou un truc comme ça sur l'épisode. On fera des épisodes assez courts parce que voilà, on n'a pas tout à fait toujours le temps. Je regarde vite fait les armes qu'ils ont. Non, je l'ai dépecé, c'est tout ça. Que ça peut être très intéressant ce qu'ils ont, même si il n'y a pas totalement, voilà. Ah, mais je te tire pas dessus toi, j'ai tué du cochon pour me donner de la bouffe et de la peau de cochon, mais bon, je sais pas à quoi ça sert, mais c'est pas grave, ça pourra peut-être servir un peu plus tard. Un autre cochon. Ah non, ça c'est comment ça s'appelle, un sanglier. Alors là on va aller récupérer ça. Je sais pas ce que c'est. Récompense. Utiliser le fusil. Ok. C'est quoi, voilà. Alors chasse. Alors on trouve refuge sur un poste, un magasin. Alors il faut que j'aille au magasin là-bas. Attendez, je regardais vite fait sur la carte où ça se situe. Objectif en cours. Bon, ben, je vais aller là-bas. Tranquillement. De toute façon, on n'a pas besoin de se presser. Ouais, parce que on a totalement le temps. Normalement, pour une trentaine de minutes, on a le temps de courir jusqu'à là-bas. J'ai pas été très malin. J'aurais pu y aller en voiture parce qu'il y en avait là-bas. Ah, ça, c'est pas mal, ça, par contre. Oh, ça va me plaire. Attendez, on va sauter de là-haut avec ça. Je sais pas si je vais mourir. Mais bon, moi je suis très malade. La Geronimo. Oh oui, ça c'est bien ça. Alors pour ça il faut. Ah non. Bon, on va prendre la voiture, on va la voler. Je sais pas qui elle est. Bon, bref. Ils ont, comment dire, oublié leur voiture, donc je vais leur piquer, surtout sur Far Cry 3. C'est facile d'en avoir facilement. Et c'est très réaliste quand même ce Far Cry 3.
Je sais pas si vous avez vu. Là, on va quitter le véhicule, on va regarder ce qu'il y a là. Oh, intéressant, j'adore les pompes, moi. Je suis amateur de gros guns. Ah merde. Je suis vraiment malade, moi. On va prendre une petite... une petite pause photo. Voilà. Tranquillement. On se gêne pas. On fait une petite pause. Et puis voilà. Bon, on continue notre aventure. On va aller là-bas. Attendez 3 secondes, je vais faire juste un truc. Voilà. Attendez 3 secondes. Voilà. Alors je suis revenu. C'était une petite éclipse. Enfin, je peux pas faire d'un montage. Cet endroit utilisé, magasin personnalisé. Je comprends pas trop ce qu'ils veulent dire. Attendez, on va quitter juste le véhicule. On va aller regarder où ça se situe. Parce qu'en fait, là je suis paumé. Parce qu'en fait, normalement, il me marque sur la petite carte où ça se situe. Non, je vois pas. Alors, on va prendre des photos. Attendez. Ouais, on va prendre des photos. Allez. On est tranquille, on va prendre des photos. On a le temps. Ouais, on fait... moi, je suis caméraman, mais bon, je filme avec un appareil photo, logique. Bon, on va retourner là-bas. Voilà, on va se déplacer rapidement. Et puis voilà. J'espère que la vidéo va vous plaire. Il nous reste à peu près 15 minutes ensemble à faire ce jeu. Si vous avez entendu tout à l'heure une voix, parce qu'en fait là je parlais à ma grand-mère pour ce que je voulais manger, ça. Alors. Fusil à pompe. Ah ouais, ok, en fait j'ai un pompe de je sais pas combien de rations. Alors on va prendre des munitions. Ça serait pas mal. Des munitions de fusil à pompe. Ah non, j'ai pas assez d'argent. Bon, allez, on va y aller tranquillement. Ah putain, j'aime pas ces trucs parce que... En fait à chaque fois je me fais coincer dans le jeu parce que je fais des trucs comme ça. Je sais pas pourquoi. Alors, je sais pas, il y a un point d'interrogation. Je ne sais pas où. Ah là, ici, c'est quoi ça? Ah là, si vous entendez un truc, c'est mon père qui est en train de crier, je sais pas pourquoi. Alors, je regardais vite fait les missions, je sais pas si on peut les voir. Non, ça c'est les compétences. Ben attendez, je vais essayer de regarder si je peux construire des trucs avec quelques trucs. Ça c'est quoi? Portefeuille. Ouais, ça peut être bien. Ouais, bon, vas-y. Après ça, on peut le créer. Bon, bah ça peut être aussi très utile. Normalement, après il y a ça aussi qu'on peut se faire, non? On peut pas? Bon, bah on verra un peu plus tard. Ça non plus on peut pas. Bon bah on verra un peu plus tard. On va tranquillement. Je sais pas quoi faire. Prenez l'interagie. Alors pirate des animaux. Non. Attends. Un pirate bracon. Ouais, bon, ok, bon, on va faire la mission de tout à l'heure. Normalement, c'est là-bas. Bon, ben, je sais pas, c'est pas la même chose à mon avis. Bon, ben, on va prendre ça là-bas. On va aller tranquillement se déplacer comme tout à l'heure là-bas. Mais en fait, à mon avis, j'ai pas pris la bonne truc. Et je crois pas qu'il y a une bonne ou une mauvaise. Et ce jeu m'a l'air très sympa. On doit pouvoir faire pas mal de choses. Ah merde, on peut pas passer directement par là.
Venez par ici. Tu veux te battre? Tu veux te battre, mon gars? Tu vas prendre du plomb dans le cul si tu veux te battre avec moi. Ah merde, j'avais pas vu qu'ils étaient autant. Ah désolé. Oh non, je me suis fait buter. Franchement, j'étais con d'aller dans le tas. Et moi, je suis comme ça, j'aime bien aller dans le tas, je me crois sur Call of et être invincible. Eh ben non, c'est beaucoup plus difficile de se servir des armes de Far Cry 3 que sur Call of Duty. Alors, on va aller vite fait. On va prendre ça. Ouais. Ah, je sais pas, ils sont durs à tuer. Quand, comment dire, vous attendez pas à avoir autant de monde, bah, ils sont très durs à tuer. Putain, ils sont. Eh ben, mon gars, il leur faut combien de balles? Ah non, vous allez pas me dire que j'ai plus de balles. Bon, bah, on va y aller au couteau. Allez, des munitions. On va tranquillement prendre tout ce qu'ils ont. On les pille. Allez, on les pille. Donnez-moi tout ce que vous avez. Juste à toi. T'as un problème? Tu veux que je te tape? Vas-y, viens. Hop, on dépouille son corps. J'adore dépouiller tout leur corps. Ça. C'est pas mal. Bon, on va prendre tranquillement tout ça. Ça, c'est pas mal de recueillir. Maintenant que je sais tout ce qu'on peut faire avec tout ça, bah, je vais recueillir pas mal de choses. Je sais pas si après il y a une limite comme sur comment ça s'appelle. Tout le monde le connaît, Skyrim, voilà. Vous avez une des limites, hein. Enfin c'est pas le même jeu. Enfin, je vous l'ai dit, c'est la première fois que comment dire je joue sur Far Cry. J'ai jamais été joué sur d'autres Far Cry à part celui-là. Alors je sais pas du tout à quoi ça sert. Enfin à quoi ça ressemble. Alors donc on va y aller tranquillement pour la suite de l'aventure. Voilà, on va se lever, on va prendre des feuilles jaunes, je sais pas à quoi ça sert. Ah non, en fait ça c'est des. Non, ça c'est pas des armes. C'est ça que je veux recueillir. Voilà. Alors maintenant il faut que j'aille où justement. Bon ben on va aller là-bas. Ramener tout cela. Normalement on peut faire un truc. Je sais que sur Far Cry 3 il me semble qu'il y a un glitch à produire pour aller beaucoup plus vite dans les aventures. Mais bon je suis pas comme ça. Je prends vite fait des munitions de mitraillette, non, de fusil d'assaut. Voilà, je prends des munitions de fusil d'assaut. C'est toujours bon à prendre. Surtout comme tout à l'heure j'étais vite fait à court de munitions. Ah non, ça on peut pas le prendre. Ah, c'est dommage. Après là-bas, normalement, ouais, on va aller chercher le fusil à pompe que j'ai aperçu tout à l'heure. Ouais, bon, on va aller là-bas aussi. Ouais, tant qu'on y est, on va faire toutes les quêtes. Comme ça, on ne sera pas nué pour plus tard. Ah putain, je me suis enfoncé le truc. Voilà, Geronimo. Enfin, je vous dis, me prêtez jamais dans votre voiture parce que sinon, à la fin de la journée, vous avez plus de voiture. Moi, je la rame pas et en plus, ça choque. Ah merde. J'ai buté un pote sans faire exprès. Je croyais que c'était des ennemis. Excusez-moi, j'ai pas fait exprès. J'ai un gros boulet sur la route. Moi avec ces carreaux tout pourris, qu'est-ce que tu veux que je voie? Allez, je prends mon fusil à pompe, moi, qu'est-ce que tu crois? J'ai que 6 munitions dedans et le gars qui a mis les munitions dedans, c'est un gros boulot. Alors normalement, il faut que j'aille là-haut, je crois, je suis pas sûr. À mon avis, il faut aller là-haut. Je sais pas quoi faire. Alors, normalement,
J'espère que je me déplace au bon endroit. Je me déplace en gros un peu plus devant et normalement ça devrait aller. Alors ça doit être... c'est quoi ça? Je vois pas de coffre pourtant. On arrive dans un village. Je sais pas ce que c'est ce village. En fait je sais pas du tout où il faut aller. En fait à mon avis il faut récupérer une sorte de... je sais pas en fait. Ah peut-être il y avait une entrée en bas et je l'ai pas vue parce que comme c'est une grande montagne, je crois peut-être qu'il y a une... un truc, je sais pas. Je regarde tranquillement. De toute façon on n'est pas pressé. C'est bizarre quand même hein, qu'il me demande de aller là et après de... Je sais pas du tout en fait. Je sais pas du tout. Je sais pas ce qu'il faut faire. Ben on verra 5 animaux restants. Ah il faut que je tue des animaux. Eh ben ils pouvaient pas me le dire directement. Parce qu'en fait au moins je suis très en fait. Attendez. J'entends un animal. Ça doit être un... enfin un animal, pardon. Ça doit être un... comment ça s'appelle? Je me rappelle jamais, un sanglier. C'est obligé, j'en ai entendu un. A mon avis, ça doit être sur toute la région bleue. À part si la région bleue est la jungle. Ben alors là, je me serais complètement trompé. Bon, ben c'est pas très grave, on va continuer notre mission parce que là j'en ai marre franchement de faire des missions secondaires. Vous me direz si faut les faire. Moi franchement ça me fait de la perte de temps, je préfère aller sauver sa chérie et son frère que rester à faire des petites missions secondaires qui me rapportent que dalle par des flingues. Et puis voilà. Alors on va tranquillement se diriger vers la sortie qui est ici. Je l'aurais vu plusieurs fois cette sortie. Et puis voilà. Alors je sais pas après où il faut aller. Alors normalement il faut aller là. Docteur. On va aller là-bas au point d'interrogation. Écoutez. Et s'il y a rien, ben, j'arrête la vidéo. Et puis je lirai les commentaires attentivement s'il y a des conseils de quelques joueurs. Moi franchement je suis une merde à ce jeu. Vous le savez bien. Je vous l'ai dit plusieurs fois. Moi je connais pas comment dire tout le jeu. Je vais essayer de le découvrir avec vous le maximum si je peux. Mais je ne le garantis pas parce que moi franchement je... Il me faut un temps d'apprentissage sur les jeux qui sont énormes. Alors comme vous voyez, j'aime bien conduire, mais le problème c'est que j'ai un peu de mal avec avec les... je sais pas, avec... je sais pas, j'ai un problème avec ces voitures. Je voudrais voir en troisième personne, je sais pas si c'est possible. Dites-moi si c'est possible, parce que moi franchement, je préfère conduire en troisième personne que là. Franchement, ça me fait perdre de ces temps. Alors, oh non, oh non, aïe, ça fait mal. Alors, ben on va aller là-bas. Écoutez, on va nager. J'ai entendu parler qu'il y avait des requins. Bon, bah, au pire, on fait le tour. Hein, parce que j'ai pas envie de me faire bouffer par les requins. Ça serait un peu con. Mais il paraît que les requins, c'est très très rare et vous pouvez récupérer un truc qui est pas mal. Je sais pas si c'est vrai. Ah ben moi de toute façon j'ai... Oh oh. C'est un ami ça ou c'est un ennemi? Non c'est un ennemi. Bon, on va pas s'en occuper. Pour l'instant. J'ai pas envie de me... faire chercher la merde pour
ami ou ennemi. Ça aurait été un peu con, j'aurais pu amener ma voiture. Enfin, comme d'habitude, j'aime bien y aller à pied. Ça fait un peu de sport. J'en connais pas mal qui. Ouh, j'entends tirer là. Je sais pas totalement ce qui se passe. Ouh, là, il y a deux camps qui s'affrontent. Bon, ben, on va venir à Dev. Hein. Allez, écoutez. On est ici pour aider. Hein. Et bien, on va emprunter la voiture qui est là-bas aussi. Tant qu'on y est. Voilà, bon bah on va prendre ce qu'il a sur lui. Et on va prendre la voiture. Attends. Ouais. On serait tous morts si t'étais pas venu. Merci, ben moi ça a été un grand plaisir de vous aider. Et puis moi ça m'aide aussi beaucoup que. Vous êtes venu m'aider aussi parce que bon franchement je suis noob à ce jeu. Alors ben merci à vous aussi. Hein. Alors ben, on va leur demander s'ils peuvent nous aider. Non plus. Bon bah. On va tranquillement. Voilà. Ouais bon. Ben soignez-vous bien et que on vous tue plus. Hein. Moi je suis là pour vous aider encore. Hein. Moi j'aide tout le monde. Moi je suis le gars qui fait tout. J'ai vu des animaux là. Alors ça m'intéresse. Aïe, tu fais mal. Tu m'as fait mal. Toi aussi tu m'as fait mal. C'est pas bien. Non, toi tu me fais pas mal. Tiens, c'est pas bien. Oh non plus. Voilà. Ah ils font mal hein. Ces trucs hein. J'en avais eu qu'un contre moi tout à l'heure. Mais à trois ils auraient pu me baiser. Oh pardon pour ceux qui sont beaucoup plus jeunes. Enfin à mon avis ils doivent comprendre un peu ce terme. Mais j'espère que il n'y a pas des parents qui sont en train de faire de regarder mes vidéos avec des enfants. Enfin, il m'étonnerait que des adultes regardent mes vidéos hein, parce que enfin, ça dépend hein, je sais pas bon franchement je verrai un peu plus tard si des adultes regardent un peu mes vidéos. Alors ben, on va aller tranquillement aller là-haut et on va je sais plus ce que ça sert ça normalement. Il m'avait dit le vieux que ça servait à faire un truc pour je sais plus quoi. Enfin, voilà, il m'avait dit un truc comme ça, enfin le sorte de noir là. Enfin, j'ai rien contre les noirs, mais lui il est un peu bizarre. Directement, il me voit, il me connaît. Tranquille, le gars. Hey, mon copain, je te sauve de l'eau et je suis ton copain maintenant. Tu me sauves à chaque fois que je meurs et puis voilà. Eh ben non, moi je sais pas comme ça, moi je tue. Moi si j'aurais l'opportunité, je tuerais tout le monde. Je prendrais une bombe nucléaire, même si je me fais baiser. Ben c'est pareil, je les bute. Je bute tout le monde, moi. Même en coop, demandez à tous mes potes. C'est con, mais j'aime bien buter ceux qui sont en coop. Et je fais tout pour qu'ils meurent. Et puis voilà. Attendez un peu long. Voilà on va fouiller là et puis normalement en fait il faut appuyer là et il faut casser ça je crois, je suis pas sûr. Ouais ça doit être ça. Voilà et hop voilà c'est pour interagir et faire je sais pas quoi. Ouais c'est à dire tout ça. Oui,
pour constituer un navire. Ratio activé. Je sais pas ce qu'il veut dire par là. Ah oui, en fait, c'est que je peux voir tout ce qu'il y a aux alentours. Que tout à l'heure, je pouvais pas. Maintenant, je sais ce que ça veut dire. On va essayer de d'arriver à l'en bas de faire le plus vite possible. Alors, hop, on va sauter. Et si j'atterris dans le vide, c'est pas grave. Et puis, voilà. Enfin, la phrase que j'adore répéter, et puis voilà. Comme d'habitude. Je sais pas pourquoi j'adore répéter ce mot. Pourtant, il est complètement pourri. Et enfin, bref. Alors, on va sauter là. Ouf, ça fait quand même un peu mal. On va prendre ma voiture qui est garée juste ici. Et merci aux deux gars qui sont morts pour m'offrir leur voiture, c'est sympa. Bon. Oh, jolie chanson. Merdique des années 80. Oh, je sais pas conduire. Moi, je vous dis, si je passe mon permis, c'est qu'ils ont trop fumé, les gars. Qu'ils me fassent passer le permis. Ah, ouais. Ah, ça, j'adore ça. Bon, mais à plus la voiture, je prends le jet ski. Ouah, les vacances de rêve. J'adore les vacances au bord de l'eau. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Là, je fais couler le navire avec moi. Ça aurait été un peu boulos, ma part. Oh yeah. Alors, il y a un navire. On va reprendre une voiture. Écoutez, si nous offre les voitures juste à côté, ben c'est sympa. Parce qu'à mon avis, on doit aller là-bas. Ça doit être une raison qu'il y ait un point d'interrogation quand même là-bas. Que y a un truc de rare. Bon, on va essayer d'y aller en voiture, hein, même si c'est peut-être pas possible. Bah, moi je vais y arriver. Je vais non, c'est pas possible. Oh, c'est pas parce que je quitte la voiture qu'il faut que tu t'exploses, hein, ma vieille. Je t'ai récupéré tout à l'heure. Alors, sûrement. À mon avis, je vais aller dans les mines de la Moria. À mon avis, c'est les mines de la Moria. Ils ont voulu faire les montagnes de la Moria. Parce que normalement, il y a les montagnes de la Moria. Oh non. Ben, je dois monter peut-être par là. Oh, aïe. J'adore faire les glitchs, mais je sais pas si ça c'est un glitch. Ben, à mon avis, il faut faire le tour. Aussi simple que ça. Ouais, parce que d'habitude moi je me casse le cul, en fait il faut faire le tour. Mais bon, moi j'aime bien Ah ben il y a juste une voiture là, bon bah on verra un peu plus tard. Ben voilà, en fait il fallait monter par ici. Voilà. Et puis par ici. Ah non. Il veut pas, hein. Non. Mais c'est où en fait? À mon avis, il faut faire le tour par ici et par là. Ah, il y a une maison juste à côté. Non, je tombe pas, non. T'es fou, toi. Je sais pas par où il faut passer. Ah, là. Ah, là, non. Non plus. Bah, peut-être par là. Ah, ben voilà, par là. Eh mais c'est un vrai combat, hein, ce truc. Bon, bah on va prendre ça. Bon, attendez. J'ai vu un truc, c'est ça. On va couper ça. On va rendre visite à MPP. Je sais pas qui c'est. Interagir. C'est chez moi, ça. Intéressant si c'est chez moi. Bon, franchement, ça me gêne pas. Je crois que j'avais vu une vidéo que ici en fait c'était chez nous, il me semble. Cool, on est venu juste ici pour des graines. Vous cherchez quelque chose? Ce sont les rouges que je préfère. Les mauves sont très bien pour chasser les idées de l'âge.
Ils sont tous bons, de la meilleure qualité. Ok, ben merci, mon vieux. Ne touchez pas, elles sont mortelles. Mélange n'est pas encore tout à fait réussi. Au fait, je suis le docteur Earnhardt, à votre service, ou enfin, comme mon état le permet. Jason. D'accord, moi Steven. Vous en avez trouvé un de mes amis ? Denis vous a dit ça ? Je regarde vite fait. Ben voilà, bon, on va se quitter sur ça. Dès que lui il aura terminé de parler, je le laisse un peu parler et puis on va terminer la vidéo sur ça. Sûrement cette vidéo vous l'aurez jeudi. Et là je le fais mercredi parce que j'avais totalement le temps. Et puis voilà. Alors j'espère que cette cinématique va pas durer très longtemps. Ah ben voilà. Bon, on sauvegarde. On peut pas sauvegarder. Bon, ben c'est pas grave. Ben à la prochaine pour tout le monde pour une vidéo de Call of Duty Black Ops 2. Je suis vraiment content d'avoir fait cet épisode avec vous.